Bonjour à toutes et toutes, c'est Vitesse. Il est 7h13 du matin, on est dimanche 27 septembre. Et je suis arrivé au vide-grenier. Bon, sur internet, il me disait qu'il commençait à 9h, mais bon, je suis venu. Généralement, le vide-grenier, ça commence toujours beaucoup plus tôt que prévu. Et le hic, c'est que j'ai que 6 minutes de batterie sur ma caméra. Putain, c'est une grosse connerie ce truc-là. Donc, ce vide-grenier, c'est le même endroit que la semaine dernière. Enfin, le premier vide-grenier de la semaine dernière, bah, c'est. C'est au même endroit, c'est juste de l'autre côté du trottoir en fait. Ouais, tout simplement. Donc normalement, j'ai jamais fait celui-là. Donc il me semble assez grand. Et voilà, donc bon, il fait pas encore tout à fait jour. Je vais peut-être pas commencer à faire le live maintenant. Après, à voir si c'est ouvert. Putain, j'ai pas fait gaffe pour la batterie de la caméra, ça c'est très con. Donc j'ai pas parlé plus parce qu'après j'ai plus avoir assez de batterie. Donc moi je vous dis à tout de suite. Bonjour. 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 Au moment où les boîtiers sont vides, mais... Et vous le faites à combien les jeux? 5 euros. D'accord. Et tout le lot, on le fera à combien par exemple? Alors tout le lot, bah, je sais pas, j'ai pas calculé. Alors 4 et 4, 4 et... Non, il y en a combien? 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 à 4 euros. 4 x 4, 8. Ça fait combien? 4 x 4. 4 14 à 4. 4 x 4, 8. 4 x 1, 4 et 1, 5. Une cinquantaine d'euros en fait. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Ok. Oui. Bonjour, vous faites à combien les jeux? 2 euros. 2 euros. Et si vous en prenez plusieurs, on peut vous faire un prix. D'accord. Ah, c'est des jeux. Du coup, il est 8h40, j'ai pas mon téléphone devant moi puisque ma caméra n'a plus de batterie, donc je comprends pas. Hier soir, il restait une demi-heure de batterie, et là il n'y avait plus que 5. Et bah là, elle vient de tomber, elle vient de s'éteindre, plus de batterie. Donc du coup je fais cette séquence avec mon téléphone. Donc je disais qu'il était 8h40 et je m'attendais à mieux pour cette grenier, j'ai jamais fait. C'est un vide-grenier où ce sont les habitants de la rue presque qui font leur vide-grenier. Bon, j'ai trouvé des trucs sympatoches, pas grand chose à filmer. Parce que bon, filmer tout le vide-grenier, c'est pas intéressant et franchement je vais pas non plus passer mon temps à tout filmer. Il y a des trucs que j'ai réussi à filmer, mais ce que j'ai trouvé, j'ai pas filmé en fait. Ça tombe à chaque fois au mauvais moment. C'est tout, hein. Je suis resté 1h30 pratiquement. Mais le problème, c'est que sur ce vide-grenier, on était beaucoup à chercher des jeux vidéo. Il y a une personne que je rencontre assez souvent, que j'ai vu, et bah, il n'a rien trouvé. Donc voilà. Le problème c'est qu'on est trop nombreux à chercher alors qu'il y a vraiment que dalle.
C'est là le gros inconvénient des vide-greniers maintenant. Mais bon, j'ai réussi à trouver. Alors, la première chose que j'ai trouvé, j'ai pas pu filmer parce que il y avait un revendeur qui était juste derrière moi, donc j'ai pas eu le temps de sortir mon téléphone. Et tout de même assez surpris de ce que j'ai trouvé en tout premier. Donc franchement, le revendeur était derrière moi en train de regarder autre chose. Et je voyais, je sentais vraiment en lui qu'il avait envie de prendre ce que j'avais trouvé. Et du coup, je l'ai pris avant lui. Et là, bah, je vais rentrer. Je vous dis à tout de suite pour le compte rendu. Et bien voilà, le vide-grenier est terminé. Il est 16h30. Je suis parti du vide-grenier vers 8h40. Je suis arrivé là-bas à 7h13, je crois, d'après la vidéo. J'avais jamais fait ce vide-grenier, mais j'ai souvent fait un vide-grenier qui était juste de l'autre côté de la rue, donc derrière les maisons. Je m'attendais à mieux pour ce vide-grenier. Le problème, c'est qu'il n'y a vraiment rien. Tout ce qu'il y a dans le live, c'est pratiquement tout ce qu'il y avait en jeu vidéo, donc que dalle. Honnêtement, ou alors vraiment que de la merde. Mais j'ai réussi quand même à trouver des trucs. C'est ici. En tout, ce vide-grenier, ça, j'ai dépensé 13,10€ pour ce vide-grenier. Donc je m'attendais à dépenser plus et surtout à trouver plus pour ce vide-grenier. Mais le problème, c'est qu'on était beaucoup sur ce vide-grenier en chercheur de jeux vidéo. Bon, il y a moi. Il y a beaucoup de personnes que je connais pas, mais c'est très facile de reconnaître une personne qui cherche des jeux vidéo dans un vide-grenier. Ça, c'est... Ça se sent à 1 km à la ronde, enfin non, ça se sent pas, ça se voit plutôt à 1 km. Il y avait également une personne que je rencontre assez souvent dans les vide-greniers, où on discute de ce qu'on trouve à chaque fois. Et pareil, lui aussi, il trouve vraiment que dalle. Bon, alors déjà pour commencer, j'ai trouvé un petit pins Sonic. Donc en l'occurrence, c'est Knuckles. Alors c'est écrit Knuckles, The... Et King... Oh là, c'est quoi? The Echinda. Bon, ouais, aucune idée de comment c'est écrit, de ce que ça veut dire. Je vais essayer de vous le zoomer au maximum. Voilà, donc ça m'a coûté 10 centimes. Le petit pins. Bon, c'est un petit peu tordu derrière, mais je m'en fous vraiment. Je n'ai vraiment rien à faire de que ce soit tordu. Voilà, le pins 10 centimes de Knuckles. Ensuite, j'ai trouvé dans un stand, ils vendaient des cartes Pokémon, mais il y avait une Steelbox qui était vraiment pas mal. Et du coup, je l'ai eu pour 2€. Donc, 2€ la Steelbox. Par contre, il n'y a pas de nom spécifique. Voilà. Donc, lui, c'est Kyurem, je crois, ou je sais, ou Reshiram, j'en sais rien. Voilà, donc. Celui ce que c'est, donc j'avais pas celle-là je l'avais pas. Alors lui, je n'ai aucune idée de qui c'est. Évidemment, la boîte est vide, hein, elle a gardé les cartes parce que moi je n'ai vraiment rien à faire des cartes. C'est vraiment la boîte qui était vraiment sympa. Il y en avait une deuxième dans une grenier, donc j'hésitais à la prendre parce que je savais pas si je l'avais. Du coup, j'ai dû ressortir celle que j'avais pris, et effectivement, elle était en double sur deux stands différents. Du coup, 2€. La boîte. Bon, je vais vous montrer ça. Alors ça, c'est donc la personne que je rencontre souvent en vide-grenier et que je sympathise un peu, avait trouvé des jeux. Avait trouvé trois jeux, dont un jeu en fait qui avait juste la boîte. Donc la vendeuse lui avait donné. Et quand il m'a montré ce qu'il avait trouvé, donc il avait trouvé deux jeux. Et le dernier jeu, il montre qu'il n'y a que la boîte. Et c'est en me la montrant à moi qu'il a... remarquez que la boîte était complètement explosée, la boîte était fissurée de partout, enfin elle était cassée carrément, la jaquette est un peu déchirée. Donc il me l'a donné, il me dit tiens, vas-y, je te l'offre, en plus de toute façon il me l'a donné, donc bon, je l'ai pris. Honnêtement, la boîte, je l'ai balancée à la poubelle, j'ai juste gardé la jaquette du jeu. Donc, voilà. Même si elle est déchirée ici, j'ai tout de même gardé la jaquette. Je suis pas non plus un sadique. Hein. La boîte, donc c'est un jeu GameCube, hein, pour vous le dire, c'est un jeu GameCube. La boîte pétée à mort, irrécupérable. J'ai balancé, j'ai gardé la jaquette. Ce jeu, j'ai déjà. Donc, c'est la jaquette de Mario Party 5 qui est déchirée ici sur le côté. Donc, je l'ai eu gratuitement. Hein, il me l'a donné. Je sais pas ce que je vais en faire, mais bon, j'ai quand même gardé la jaquette. C'est un Mario Party 5, ça se jette pas, ça atteint un FIFA, genre tout balancé.
Mais bon, le jeu, je l'ai, bah, il est là. Hein. Voilà, il est ici. Je vais pas me faire chier à garder la jaquette. Pour l'instant, je la garde. Je verrai bien ce que j'en ferai de cette jaquette. Voilà. Mais la boîte est morte, explosée de partout, balancée à poubelle. Voilà. Ensuite, alors j'ai trouvé qu'un seul jeu vidéo dans une grenier, malheureusement. Puisque voilà. Mais on va voir ça à la fin. J'ai trouvé également. Alors ça, je crois pas que je l'ai filmé parce que. Le problème, c'est que je filme au début du vide-grenier. Généralement, je fais un tour dans le vide-grenier. Et après, je filme le live. Mais comme les exposants, ils arrivent un peu plus tard, ils ne sont pas tous là, bah, il y a des choses que je filme pas. Et généralement, ce que je trouve, bah, c'est pas filmé. Donc, j'ai trouvé un album de cartes Super Mario Bros. Oui. Alors, je crois que le truc, il a été mis à l'envers, en fait. Hein, parce que c'est dans le mauvais sens hein, que c'est mis. J'ai trouvé ça pour 3 euros. Par contre, ouais, je pense que je vais tout enlever et puis le remettre dans le bon sens. Mais j'avais vu qu'il y avait des pages qui étaient déchirées au ciseau. Ouais. Ici, il y a deux pages qui ont été découpées au ciseau, je pense. Donc finalement, je vais peut-être le laisser dans ce sens-là. Donc voilà ce que c'est. Donc New Super Mario Bros. Wii. Et ça date de 2011. Et à l'intérieur, voilà comment c'est. En fait. Là, il y a toute la liste des cartes. Donc, on va prendre la première. Voilà, donc vous avez le début. Et vous avez les cartes. Donc, quand j'ai vu ça, je n'avais jamais vu auparavant. Donc, bah, je les ai pris. Franchement, ça me l'a vraiment bien sympa. Bon, il n'y en a pas non plus des millions. Ouais, en plus, il y a même des choses derrière les cartes. Alors, est-ce que c'est vraiment une seule carte à chaque fois? Par exemple, je montrais cette carte-là. Bon. Voilà. Tout est bien fini. Je sais pas si on voit bien, ouais. Et derrière, voilà, on a un pont explicatif de la carte. Bon, c'est marrant. Donc, 3 euros l'album. Alors, il n'est pas complet, hein, ça c'est sûr et certain. Voilà, ça s'arrête ici. Et... voilà, donc ça c'est la dernière page des cartes Mario. Et après il y a des cartes, donc je ne sais absolument pas de ce que c'est. C'est des chaotiques. Donc en plus c'est mis à l'envers. Voilà, donc des cartes chaotiques. Par contre j'ai l'impression que c'est écrit à l'envers dans la caméra. Peut-être si je mets comme ça, celle-là, ça devrait le faire. Bon, je sais pas. Des cartes chaotiques. Chaoticgame.com. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Bah, en fait, celle-là, elle est à l'envers, j'ai l'impression. Non, c'est celle-là qui est à l'envers. Mais je la remets à l'endroit. Voilà, donc, première fois que je vois un truc comme ça, un album de cartes à jouer, peut-être. Et à collectionner de Mario. Ce bordel, ça coûtait 8 euros. Mais de l'autre côté, ça coûte 10 euros. Donc, voilà. Regardez, ici, il y a 10 euros. Et en dessous, il y a 8 euros. Donc, à savoir combien ça coûte. Moi, j'ai eu le tout pour 3 euros. Ensuite, bon, on va passer à l'unique jeu vidéo que j'ai trouvé. C'est un jeu Game Boy Color. Je l'ai eu pour 3 euros. La vendeuse, au début, me le faisait à 4. J'ai dit pour 3, mais il dit d'accord. C'est le Yu-Gi-Oh! Duel des Ténèbres. D'ailleurs, j'ai... refait sa boîte hein, évidemment. Donc j'ai plus réussi à faire cette boîte là que la boîte de Terminator 2 en vidéo. D'ailleurs bah, je vais mettre le jeu en direct hein, dans sa boîte. Alors ça faisait longtemps quand même que je cherchais ce Yu-Gi-Oh! Sur Game Boy Color. Je me rappelle l'avoir possédé quand j'étais petit. Et le problème c'est que dans les magasins cash, tous les jeux Yu-Gi-Oh! Comme ça, l'étiquette bah, n'existe plus, en fait elle est morte. Voilà, donc 2 euros le jeu avec sa boîte que j'ai refait. Et là, franchement, j'ai fait un petit coup de maître, entre guillemets, combien de temps de vidéo? 10 minutes. Alors, malheureusement, j'ai pas pu le fumer, c'était vers les débuts. J'arrive dans un stand et je vois ça, donc je le prends dans les mains, et tout de suite après, derrière moi, t'as un revendeur qui me colle au cul, entre guillemets. Et... bon, déjà, ça se voit quand un revendeur, comme je vous dis au début de la vidéo, on reconnaît un revendeur à 2000 km à la ronde.
Et quand j'ai pris ce truc-là, cette personne derrière moi le voulait absolument, parce qu'il n'arrêtait pas de regarder plein de petits objets qui étaient sur le stand, qui s'en foutent sûrement royalement. Et quand je voyais que c'était sûrement un revendeur, je me suis dit, je vais prendre bien mon temps pour regarder ce que j'ai dans les mains. Donc je le regarde, tout ça, je regarde tous les boutons, je regarde vraiment tout, c'est ce que ça marche, je regarde les câbles, tout ça. Et en fait, je prends bien mon temps et à un moment, bah, il attend, il est comme ça derrière moi. Il attend, tu sais, je le vois du coin de l'œil, mais je me dis, je prends encore bien mon temps, je regarde bien tout, je regarde les trous de ventilation, si c'est bien propre, tout ça, et après il se barre. Et c'est à ce moment-là que j'ai payé. Voilà, oui. Oui, j'ai fait mon gros enculé, oui, j'ai un peu enculé un revendeur de jeux vidéo, parce que ça, c'est sûr qu'il le voulait. J'ai eu ça pour 5 euros. Donc, j'ai trouvé une console Pong, entre guillemets, une télésport la semaine dernière. Et bah, cette semaine, j'ai trouvé une télélude. Voilà. Donc, une télélude pour 5 euros dans un vide-grenier. Bon, elle est un peu moins lourde que la précédente, par contre, elle est sans boîte. Voici les manettes. Hein, donc, il y a un bouton et il y a les potentiomètres qui tournent. Voilà. Donc 5 euros et elle marche. Donc ce sont des piles. Je vais vous montrer comment sont les piles. Elles sont plus petites que celles de la semaine dernière. Donc il y a 3 ici et 3 de l'autre côté. Donc je l'ai pris pour 5 euros. Alors normalement il y a tous les câbles. Par contre, je vous avoue que je ne l'ai pas testé celle-là. J'ai pas eu vraiment le temps. Mais voilà, là il est bien mis. Voilà. La prise vidéo, hein, encore une fois, c'est une antenne de merde comme ceci. Et elle marche. Regardez, donc je vais le programmer sur le tennis. Donc voilà, vous avez tous les jeux. Donc par contre, j'ai pas de manuel. Donc là, j'ai marche, arrêt, ici. Là, j'ai petit angle, grand angle. Vitesse plus, vitesse moins. F2, F4, je sais pas ce que c'est. Raquette, donc grande raquette ou petite raquette, automatique, manuel. Et là, vous avez tous les jeux, donc je sais pas, genre du pelote, basque, tout seul. Ah oui, genre mur d'entraînement comme la semaine dernière. Pelote basque, foot. Ça, c'est du pong, du tennis, et ça, du truc de cible, je sais pas ce que c'est. Donc, je vais le régler sur tennis, et attention, je vais mettre marche arrêt. Voilà. Donc la console marche. Et quand j'ai vu ça, donc c'est de Schneider. Voilà. De Schneider. Et quand j'ai vu ça, donc il y avait vraiment le revendeur derrière moi. Donc j'ai bien pris mon temps pour tout regarder avant qu'il se barre. Et donc j'ai payé ça quand il s'est barré. Donc voilà. De toute façon, moi qui gère des jeux vidéo, avec l'expérience, ça fait pratiquement plus d'un an et demi que je fais des vide-greniers maintenant. On reconnaît tout de suite une personne qui cherche des jeux vidéo, ça c'est bon. On n'a pas un physique en particulier, mais on a un comportement et ça se remarque tout de suite. Ouais. T'arrives dans un vide-grenier, tu remarques déjà, lui cherche des jeux, lui cherche des jeux, lui cherche, il cherche des jeux. Non, ça c'est sûr et certain. Avec l'expérience, ça, on voit ça tout de suite. Donc 5 euros la console de Télélude. Donc on peut mettre un adaptateur secteur et une prise Péritel, je pense, genre de Master System ou de je sais pas quoi, peut-être Saturn, enfin j'en sais rien. Elle date de 71, la console. J'ai regardé ça sur internet. Et donc bah voilà, c'est tout hein, pour ce vide-grenier du 27 septembre 2015. Donc hein, je répète, ça m'a coûté 13 euros et 10 centimes. Donc ça a été la première chose que j'ai trouvée en vide-grenier, mais il y avait vraiment pas grand chose. Vraiment content d'avoir trouvé deux consoles en 2 semaines de Pong, en fait. Avoir trouvé deux consoles Pong en 2 semaines, même si c'est pas non plus des officiels. Quand même bien content. 5 euros celle-là. Et voilà, ça fait aussi toujours plaisir de trouver quelque chose avant des revendeurs. Voilà, je vais être comme ça. Ça fait toujours plaisir de passer avant les revendeurs, donc sur quelque chose. Voilà, comme ça, bah, ils arrêteront peut-être un jour. Alors, ce truc-là, franchement, je le garde pour l'instant, mais parce que jeter une jaquette, c'est pas la boîte, oui, elle est explosée, t'es morte.
Mais la jaquette, ça peut toujours être utilisable, même si c'est un peu déchiré. Donc voilà. Donc bah, c'est tout pour ce compte-rendu du vide-grenier du 27. Le live va être un peu court, évidemment, il n'y avait rien du tout. Donc aussi, j'espère que la 300e vidéo vous aura plu. Enfin, vous a plu. Donc voilà, donc j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.